de recherche humaine. D'accord? Recherche humaine, oula. Car j'y vois d'éventuelles applications humaines. L'augmentation des tissus musculaires des cobayes est attribuée aux isotopes de l'E99 qui ont été... Ce bâtiment est verrouillé. Quoi? Vous êtes fou? Qu'est-ce que ça signifie? La sécurité a été compromise. Venez avec moi. Qui vous a donné l'autorisation de faire ça? C'est moi. Docteur Demitchev? Vous savez que le professeur Barisov ne permettra pas... Je m'occuperai de Barisov. Il a trahi la mère Russie. Vous deux, rassemblez-les et trouvez le dispositif. Brûlez en enfer, je ne dirai rien. Si vous voulez vivre, faites ce qu'on vous dit. Demitchev perd son temps. Ah tiens. Je savais pas qu'il y avait les corps passés l'un sur l'autre au lieu de passer à travers. Votre signal est brouillé. Vous devez avoir trouvé la chambre forte. Elle abrite le dispositif pour lequel Demitchev a tué votre ami, le MT. Les cavernes abritent du minerai en grande quantité. Les mineurs ont laissé du matériel. Je devrais pouvoir mener des expériences sans trop de difficultés. Barisov. J'ai réussi à créer un manipulateur temporel, bien plus petit que le prototype original. Il faut maintenant que je le cache pour éviter que le professeur Demitchev ne mette la main dessus. Le prototype est achevé, mais il est encombrant et trop lourd. Je dois fabriquer un dispositif plus élégant, mais ça conviendra pour le moment. Ouais, mais on revient après, en fait, avec le gant. Le MT ne fonctionne que sur les objets marqués à l'E99.
Mes recherches avancent à grands pas et d'autres progrès sont à attendre. Pour la gloire du parti. Bonjour, je suis le professeur Barisov, et ceci est le journal vidéo numéro 19 du projet de recherche de l'initiative Moscou sur les applications du manipulateur temporel. Ce dispositif... Non, faut voir où j'ai mis où. Vous avez obtenu le manipulateur temporel, le MT, vous permet de déplacer les objets dans le temps, altérant ainsi leurs conditions. Appuyez sur mouse 3 pour vieillir ou les rétablir. Voilà. Impulsion. Le pouvoir impulsion remplace votre attaque de corps à corps par une puissante décharge d'énergie à E99. Appuyez sur pouce souriant pour libérer le. Et... Salut Nero. Qu'est-ce que c'était ça? Barisov. L'énergie du MT se régénère lentement. Altérer la plupart des objets n'utilise qu'une petite quantité d'énergie, mais altérer des organismes comme des soldats ou des créatures nécessite une plus grande quantité d'énergie à E99. Je me rappelle plus de ça, tiens. J'ai peut-être jamais fait. Hein. Comme ça et ça. Et c'était peut-être juste pour nous montrer qu'on pouvait le faire. Renko, je vous ai sur le GPS. Par tous les dieux, j'espère que vous avez réussi à trouver le MT. Vous devez l'utiliser pour retourner en 1955 et empêcher Demitchev de tuer Barisov. C'est le seul à savoir comment rétablir l'histoire telle qu'elle est censée se passer.
Certaines plantes ont absorbé les propriétés de l'E99. Elles pourront peut-être également être affectées par le dispositif. Voilà. Les failles temporelles associées au MT vous permettent de remonter le temps. Ces failles sont de petites brèches dans le continuum espace-temps, créées en employant des quantités massives de 99. Chronolocalisation. Appuyez sur F pour activer la chronolocalisation avec votre MT. Elle vous révélera les traces de pas dont vous avez pour vous aider à trouver un chemin. Ok. C'est bien, mais ils ont remplacé carrément le corps à corps, on peut plus du tout le sortir. Salut Gangtai. Attention, nombre de munitions. Mais pourquoi est-ce qu'ils tirent une balle quand on charge? Mais putain! C'est une connerie quoi. Ouais, vu que recharger et utiliser c'est la même touche. Merci quoi. Ça me rappelle un autre jeu. Bah, bien sûr, j'ai fait les vidéos dessus.
Le 99 est encore plus puissant que nous ne le pensions. Il y a eu un accident aujourd'hui. Un prototype de MT a explosé. Les radiations ont tué 3 de mes assistants, mais je ne peux pas arrêter mes recherches, c'est trop important. L'humanité tout entière y gagnera si je réussis. Barisov. Ah, Old Blood, oui, mais je compte faire les vidéos, celui-là. Donc ça viendra, mais non, pour l'instant, j'y ai pas encore joué. Les bons impacts de balles. Vraiment mal se passer. Suivez-moi. Il me faut mes notes. Hein? Les hommes de accumulateur pour MT. Votre énergie à E99 se régénère, mais vous pouvez utiliser des accumulateurs pour MT pour régénérer rapidement votre énergie. Ils sont automatiquement utilisés quand vous êtes à court d'énergie en à E99 et que vous utilisez votre MT. Du moins, vous les. Il y a 2 gardes. Vous pouvez vous en débarrasser. Oui. Coup d'endurance. Je savais que Demitchev n'apprécierait pas notre refus de travailler sur la. Est-ce que c'est ici? Il semblait que c'était ici qu'on chopait le fusil à lunettes là. Je vais prendre mes notes. En ouvrant cette porte-là, je pense. Ça ne s'ouvre pas. Le MT agit sur le processus de vieillissement des objets et permet, comment dire, de les vieillir ou de les rajeunir. Même un coffre-fort peut se décomposer avec le temps. Le temps nous est compté. Le coffre, essayez de le vieillir avec le MT. Voilà. C'est des Russes. Prenez ça. C'est un prototype d'arme à E99. Il est un peu instable, mais malgré tout, rappelle ça devrait quand même vous. Que c'était assez spécial comme bazar. Oh non, on lâche pas notre arme. Oui, c'est vrai, il faut viser. Oh putain, il faut une grosse, grosse sensie. Et à ce moment-là. On fait ce qu'on veut, quoi. Oh putain, sa mère. C'est des balles magiques, hein, franchement. Pour la différence que ça fait. Son signe malade. Ouais. Ça me fait caler la son signe.
complètement pété qui permet de diriger les balles n'importe comment. Ah, ça passe pas à travers là. Avec ma sensibilité normale, pas la même chose hein. Maintenant je vais jouer comme ça hein. Simplement en passant de 400 DPI à 1600. Et dire qu'avant je jouais avec 1800. Oui, 1200. Hein. Donc révolu. Des membres pétés dans tous les sens. La sorte de boule dont tu parles, c'était pour ralentir le temps ou le... Enfin, ça arrêtait les balles ou un truc dans le genre, non? Oh putain de bordel de merde. Ah oui, à gauche, je l'ai déjà pris. Ah oui, et tu tires et après les balles se... Ah, je vois. Ah, mon dieu. Ah, quand même fait. Balle télécommandée, c'est encore mieux. Hein, quoique. Ça dépend. Ça dépend. Des circonstances. Ce qui suit montre les applications pratiques de mes avancées dans le contrôle des distorsions temporelles de l'E99. Le cadenas est un appareil qui, une fois activé, fige le temps dans un rayon déterminé. L'effet est limité et s'arrête si le cadenas est neutralisé par de l'énergie gravimétrique. Il peut être réactivé simplement en le déployant à nouveau. Le champ de distorsion temporelle constitue également un bon bouclier. Je suis sûr que d'ici un an, mes recherches nous fourniront des armes bien supérieures à celles que détient l'Occident. Nous pourrons alors mettre en marche la conquête totale. Pour l'Union soviétique!
Encore un peu plus. C'est ici que nos chemins se séparent. Ne vous en faites pas. Je vais me réfugier dans cette tour. Et soyez sûr qu'on se reverra. Utilisez le MT pour activer cette faille. Elle vous ramènera à votre... Capitaine Renko, j'ai du mal à y croire. J'ai attendu plus de 50 ans pour vous revoir. Mais pour vous, c'était il y a quelques secondes, non? Vous vous souvenez de la tour dont je vous avais parlé? J'y suis... retourner. C'était l'endroit le plus logique. Venez vite, nous devons parler. Et ouvrez l'œil. J'ai envoyé quelqu'un à votre rencontre. Les plans et les formules permettent à Barisov de créer de nouvelles améliorations. Quand vous trouvez un plan ou une formule, l'amélioration sera disponible automatiquement dans un augmenteur. Vous avez découvert coup de fouet, augmente votre santé maximum. Utilisez la technologie E99 pour acquérir des améliorations dans n'importe quel augmenteur. Ça fonctionne très bien. Technicien en chef Dimitriev. Ouais, c'est Dimitriev. Il y a quelque chose qui cloche avec mon bec Bunsen. Il ne fonctionne pas, même quand je l'ouvre, la valve au maximum. Pourquoi est-ce qu'on a des appareils, quoi ? Très bien. Professeur Barisov peut utiliser la technologie E99 pour vous trouver pour créer des améliorations pour le MT. Blablabla. Erreur d'élite, augmente la précision des armes. Impulsion, augmente les dégâts et la puissance de récupération. Voilà, vas-y. On va prendre aussi. Et on peut plus rien. Hop. On est bien. Oui, mais 1953. Nous avons testé à nouveau le module d'antigravité et ça a encore échoué. Cette fois-ci, l'objet de test a trouvé le sol en béton armé. A traversé le sol en béton armé. Van a failli être broyé, mais malheureusement, il s'en est tiré. Ah, je ne l'aime pas. Initié en chef, Dimitriev. Attends, est-ce que j'en ai un ou deux ? Non. On va attendre d'en avoir deux pour améliorer les dégâts. Ah, les coups de fouet. C'est juste... ça, c'est... ouais.
soulever. Appuyez sur pouce souris 2 pour prendre des objets. Appuyez sur souris 1 et pouce souris 1 pour lancer des objets. Sacré chute quand même. Changer le passé, changer le présent. MT, plan d'équipement MT. Vous avez découvert bandage, les trousses de soins vous soignent plus vite quand vous ne sprintez pas. Amélioration ça. Bien. Ah oui, oui, oui. Dire que c'était rouillé. Pas abusé. Ah non, c'est une balle. Je n'aime pas le nouveau lait qu'ils servent à la cafétéria. Il est orange et brille légèrement. Je me sens vieux quand je le bois et mes cookies s'effritent quand je les trempe dedans. Vieillissement. Vieillissez vos ennemis avec MT appuyé sur souris 3 pour vieillir en ZEC. Le contraindre à voyager dans le temps. Ainsi, ses déplacements seront ralentis. Le premier truc qu'on nous demande de faire, mais c'est maintenant qu'on explique comment ça fonctionne. Quoi. On ne peut pas le ramasser.
pour monter à l'étage supérieur. Bon, ça a oublié, ça fait si longtemps. Avec Bunsen, un objet test anti-gravité, 3 machines à écrire, 50 boîtes de cookies, 45 litres de lait à l'E99. Oh là là, je déteste. Ça va aller. Putain, il faut prendre le... Vous devriez désormais voir la cour que vous allez devoir traverser. Colonel Ivanov, section armement, professeur de professeur Glochkov. Colonel Ivanov, je vous prie de croire que je tiens le professeur Korkin en très haute estime, mais dernièrement son comportement est devenu plus fantasque. Des plus fantasques. Il parle tout seul, il est très irrationnel, très irritable et nerveux, presque paranoïaque. Je pense qu'il fait une dépression nerveuse. Pourriez-vous vous entretenir avec le professeur Korkin? Vous pourriez peut-être le convaincre de le prendre en congé ou de demander de l'aide à un professionnel. Ah, c'est peut-être pour les faire léviter en fait. J'ai un point. Peut-être loupé. Hein. Nous n'avons toujours pas retrouvé l'Américain, mais il doit encore être sur l'île. Mes hommes vont poursuivre leurs recherches. Le professeur Barisov en sait peut-être plus qu'il ne le dit.
Si seulement le professeur Demitchev me laissait rentrer chez moi, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Où est ma cuvette? Ouais. Okay. Il est partout. On a sauvé le celle. Прикройте меня. J'ai dessiné les plans d'une chambre forte pour y mettre le MT en sûreté. La construction nécessitera beaucoup de travail et sera difficile à dissimuler. Qui puis-je faire assez confiance pour un tel secret? Je viens de découvrir que le professeur Demitchev avait poursuivi en secret ses expériences sur les humains malgré l'interdiction. Il doit avertir le professeur Barisov. Chers collègues, je vois que vous êtes tous très pris par vos divers projets. Professeur Korkin, il y a un problème? Non, colonel Ivanov. Je vais bien, je vais bien. Très bien. Je sais que vos emplois du temps sont surchargés. Et vos objectifs presque irréalisables. Mais vous accomplissez ce qu'aucun autre scientifique sur Terre n'a réalisé. Exploitez la puissance de l'E-99. Poursuivez vos efforts, et sachez que vous aidez la mère Russie de façon multiple et inimaginable. À tout personnel, il manque des anciens numéros de la propagande illustrée. Quand vous empruntez des documents dans la salle des archives, ramenez-les après. Après votre lecture, ne les laissez pas dans les toilettes. Ok. Officier de propagande Yukov, j'ai appris que le professeur Barisov passait beaucoup de temps en bas. Que cherche-t-il? Surveillez-le et rapportez-moi tout comportement suspect. Mir 12 is around. Mir 12 se trompe.
Тащите дальше! Это область места. Это Альфа, докладываем. Это область чиста. Ловушки! Огонь по вашему усмотрению! Дави его! Граната! Где-то здесь! Ищите дальше! Стреляю! Он здесь! Ищите дальше! Ловушки! Атакую! Пошел! Давай, двигай, двигай! Я его найду! Где помощь? Все ваншот в плюс. Découvert énergie, augmente votre énergie MT maximum, utilisez la techno blablabla pour faire les améliorations. C'est ça. Et on peut aussi les munitions avec ça. Colonel Ivanov, section armement, de sergent Chertok, sécurité de la base. Colonel Ivanov, j'ai le regret de vous informer que le professeur Korkin, en charge de votre équipe de recherche sur la téléportation, a été retrouvé assassiné dans son appartement la nuit dernière. Le plus inquiétant est de savoir comment l'assassin a pu rentrer dans la pièce. En effet, toutes les portes et les fenêtres étaient condamnées de l'intérieur avec des planches clouées. Nous avons dû défoncer la porte pour entrer. Je vous tiendrai informé des suites de cette affaire. C'est cool, bien. Ici en fait bon. J'espère qu'il y a une échelle.
Et plus même. Mais eux, ils ont pas été gelés, hein. Ça aurait été trop simple. Et il tire encore une balle. Capitaine Renko, putain. Par ici. Je sais pas pourquoi, franchement. C'est ouvert. Allons-y, Renko.
Attends. Professeur Barisov, on a réussi à passer la clôture. Oui, oui. Un instant. Dans la tribu du héros, vous avez découvert inventaire, au moins la quantité de trousses de soins que vous pouvez transporter. C'est bon pour la clôture, l'ascenseur maintenant. Juste un instant. Professeur Barisov, il n'y a pas de courant. Renko, il faut les repousser le temps que Barisov rétablisse le courant. Les générateurs sont réactivés. Renko, utilisez le MT pour rétablir les raccords électriques de la clôture. Ça nous donnera un peu de temps. C'est génial. Ça marche! Bien sûr que ça marche, je viens de réparer. L'ascenseur devrait arriver. Enfin! Allez, Renko, en route pour la tour! Par là, Renko! Du sacré bon boulot, Renko. Ouais. Vraiment du low poly. Ça alors ? Vous n'avez pas pris une ride ? Incroyable. Vous avez sans doute compris que le cours du monde a été modifié. La Russie dirige le monde, et Demitchev en est le chancelier. Regardez, je vais vous montrer ce qui s'est passé après que vous avez sauvé Demitchev de ce bâtiment en feu. À partir de l'instant où j'ai inventé le MT, Demitchev l'a convoité. Il voulait que je le lui donne pour l'utiliser dans ses recherches. Quand j'ai refusé, moi et tous ceux qui ne coopéraient pas avons été désignés comme traîtres. Sans vous, j'aurais été tué avec les autres. Demitchev était obsédé par la puissance et les possibilités de la singularité. Mais quelques mois après sa mise en marche, un terrible accident a eu lieu. La singularité a explosé, faisant des milliers de morts. Mais ceux-là ont eu de la chance. Car ceux qui ont survécu ont subi un sort affreux. Les radiations de l'E-99 ont fait muter tous les organismes vivants sur l'île, y compris les humains. L'île a été placée en quarantaine et abandonnée. Mais avant ça, l'E-99 avait été produit en masse et intégré à un tas de choses, des micro-ondes aux véhicules, en passant par des armes plus puissantes que la bombe atomique. Fort de cette réussite, Demitchev a réussi à gravir rapidement les échelons du parti, affirmant que la Russie détenait un atout technologique qu'elle devait utiliser vite et sans pitié. Et le président Khrouchtchev était d'accord.
La Russie a lancé une frappe préventive contre les États-Unis, détruisant toute la côte Est avec une seule bombe à E-99. Des attaques simultanées ont aussi été lancées en Europe. L'Allemagne, la France, l'Angleterre... Personne n'a pu rivaliser avec les armes à E-99 des troupes soviétiques. En l'espace de 6 mois, le monde entier était sous la coupe de Khrouchtchev. Mais ça n'a pas duré. Demitchev a utilisé ses nombreux partisans pour évincer Khrouchtchev et se faire nommer chancelier à vie. Comme vous le voyez, l'histoire a été altérée. Mais elle peut être corrigée. Et la singularité est la clé. C'est avec elle que Demitchev a pris le pouvoir et que l'Union soviétique domine le monde. Si vous détruisez la singularité dans le passé, l'histoire se corrigera d'elle-même. Mais pour pouvoir détruire la singularité, il nous faut une arme d'une puissance équivalente. La bombe à E-99 est trop saturée. Il y en a une dans le cargo qui a sombré dans le port quand la singularité a explosé. Mais ne nous avançons pas trop. Prenez cet ascenseur pour rejoindre l'ancienne ligne ferroviaire. De là, vous accéderez au dock. Catherine et moi ferons tout pour vous aider. Voilà, ça se met bien. Par contre, je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver, mais on vient tout juste de m'appeler pour aller manger. Ce que je vais faire. Et après ça, je vais principalement essayer de faire mes vidéos de filles. Donc voilà, ce sera probablement tout pour aujourd'hui. Demain, je referai à nouveau un petit stream à nouveau vers 16h, histoire de... Voilà. Un petit peu avancé dans Singularity et peut-être même le finir, vu qu'ici, allez, le jeu est pas spécialement long. Je crois que soit on est à la moitié, soit on n'en est pas loin. Donc voilà, ici on peut dire qu'on a presque déjà vu 50% du jeu. Je vais lire les deux derniers textes qui se trouvent ici, ensuite on va un petit peu avancer jusqu'à avoir un point de sauvegarde et voilà. Donc, journal personnel de Barisov, entrée 2. On va voir si c'est pas le premier. Entrée 4. Là, laisse tomber. On va lire ce qui vient. Hein. Voilà, je suis toujours dans ma tour et mes rations diminuent à vue d'œil. De temps en temps, une tique de phase apparaît, sûrement à la recherche d'un site de nidification. Il faut les faire bouillir et ajouter une mixture anti-rayonnement de mon invention à base d'ail, d'origan et d'une herbe locale qui neutralise les radiations. C'est pas si mauvais. En attendant l'arrivée de l'homme du futur, j'ai installé des stations spéciales tout autour de l'île. Elle devrait l'aider à vaincre Demitchev, j'espère qu'il appréciera. Plutôt, ouais. Entrée 3. J'ai découvert un réseau de tunnels et de refroidissement qui relie les divers bâtiments et installations de l'île. Ces tunnels sont connectés aux grottes souterraines où le premier minerai A99 a été mis à jour. La première. Bon, la septième. Je reviens tout juste du centre de recherche. J'ai installé des moniteurs et caché les ampoules de minerai E99 raffinées. Ça a été une longue journée. J'ai attrapé une tique, je vais aller la manger. Faites-vous que je fasse quoi? Ok. Je suis pas long. Cadenas. Maintenez pouce souris 2 pour générer un cadenas et appuyez sur souris 1 pour le lancer. Le cadenas crée une sphère de chrono machin. Ah. Ah merde.
voit les balles se déplacer plus lentement. J'en ai pas encore deux. Par contre. Soit en faisant tout le tour, soit en venant en arrière. En passant par en dessous. Oui, c'est vrai, on va avoir affaire au tic. Bon, bah, on va avoir notre point de sauvegarde dans 5 secondes. Voilà. Donc j'espère que ce petit stream vous a plu et on se retrouve demain pour la suite et peut-être même fin de Singularity. A plus.